Bienvenue à tous, salut à tout le monde, bienvenue sur Kao Gaming. Et nous sommes de retour ensemble pour ce sixième épisode sur Tomb Raider The Last... pas The Last Revelation, non n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Sur les traces de Lara Croft Chronicles, puisque c'est Tomb Raider 5, voilà. Alors la dernière fois, je vais donc charger la partie, nous étions dans le niveau La Potence, donc l'étrange monde de l'île noire de Tomb Raider 5, certainement le monde le plus décevant, je dirais tout Tomb Raider confondu, hein, existant encore jusqu'à ce jour. Voilà, c'est vraiment, comment on pourrait dire ça, navrant. Même les graphismes sont pas très beaux. Hein. Ils avaient fait même mieux dans l'épisode précédent, dans le jeu précédent. Voilà, donc qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? Donc on doit retrouver le cœur d'un pendu, hein, qu'on doit retrouver. Et en fouillant la zone, j'ai trouvé un truc, un tube en caoutchouc plus une petite cordelette, et j'en ai fait un lance-pierre, voilà. Et avec le lance-pierre, j'ai fait tomber une cloche, la cloche que vous voyez à ma droite. Et là, ce sont des petits monstres, hein, je ne sais pas à quoi ça sert, mais bon. En tout cas, ça fait mal. Bref, allons là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Ok, on dirait une torche à l'ancienne dans Tomb Raider 4. Mais ce n'est pas une torche à l'ancienne. Non, non, c'est un bâton de cloche. Ça va pouvoir nous servir pour la fin de ce niveau qui s'annonce très palpitant. Ou pas. Bref, nous sortons d'ici. Nous sortons d'ici et on a affaire à une grande allée. Avec pas mal de tombes. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces tombes? On va y faire le tour. Oh! Ah bah là, c'est une torche comme dans Tomb Raider 4. Très bien, on la prend avec nous. Voilà. Et alors ça, ce thème musical, c'est peut-être l'un des meilleurs de Tomb Raider 5. Je le trouve vraiment pas mal, par contre. Faut l'avouer. Ça fait un peu... esprit surnaturel, certes, mais ça fait aussi recherche, je trouve. Le contexte musical est resté inchangé, et ça, je trouve ça bien. Alors, avant d'aller là, voilà, je vais d'abord à celle-ci en premier. Pourquoi? Parce que, je préfère allumer ma torche en premier. Voilà, comme ça, je ne pourrais pas la perdre en la balançant, puisque c'est exactement le même système que dans Tomb Raider 4. Rappelez-vous, si on veut ramasser un objet... justement, il y en a un là. Il faut balancer la torche. Et vu que quand elle n'est pas allumée, on ne sait pas du tout où on la balance, avec le feu, au moins, on ne peut pas se tromper. Bah, c'est parfait tout ça. J'ai rien loupé, là. Je suis allé là, et ici, j'y suis allé, je ne sais plus. Un rapide coup d'œil. Ouais, c'est là où il y avait le truc qui crissait, là, justement. Ok, bon, et ben, partons d'ici. Là, c'est là où il y avait la torche, oui, tout à fait. Alors là, j'ai le choix entre deux passages. Attendez, j'ai encore un petit truc à visiter ici. Il n'y a rien du tout. Donc, je disais, j'ai le choix entre deux passages. Un ici, qui descend d'ailleurs, et un vers là-bas. Il me met sur une porte fermée, et ici, on a un réceptacle, un socle. Et c'est là-dessus qu'il va falloir mettre le cœur de notre ami pendu. Voilà, c'est peut-être pas forcément le plus logique, mais bon. C'est comme ça. Allez, on descend là-dedans. Je préfère y aller en douceur. Hop, plutôt que de garder la torche à la main. À la mano. Alors là, on a le choix. Soit on va à droite et on fait le tour, soit on va tout droit et on fonce. Je vais tout droit. Hop. Ah, sortez. Qu'est-ce que c'est que ce passage en haut, là? Il n'y a pas de passage en haut. Bon, les chauves-souris, là, ça suffit maintenant. Hein. Voilà, donc si je ne m'étais pas... Si je m'étais arrêté, pardon, en courant, ben voici où je serais tombé.
Dans les fameux pics égyptiens, hein, on reprend les trucs égyptiens. Qu'est-ce qu'ils foutent là? On ne sait pas, mais bon. Ce sont le même style de pics. Bon, évidemment, on est loin des pics des trois premiers Tomb Raider. Ils sont quand même mieux faits, les Égyptiens. Mais que viennent faire les pics égyptiens dans l'île Noire, en Irlande? On est en Irlande, hein, d'ailleurs. Je sais pas si je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, les amis. Mais nous sommes bien en Irlande. Voilà. Sur une île maudite qui n'existe pas. Hein. Je ne pense pas. Si vous avez une trace d'existence de cette île, faites-le-moi savoir. On a un passage là-haut, mais on ira plus tard. Et on va continuer là-dedans. Et là, regardez, nous sommes en dessous d'une racine. Le mystérieux pendu nous avait dit qu'il y avait que son cœur était sous le grand arbre à racines, je ne sais plus quoi. Eh ben, on va brûler la racine. Voilà, avec le cœur. Le cœur, Osborne. Hop. Jamais lui résister. Qu'y avait-il dans la fosse? Dans la... Oublie ça. Mais par tous les saints, que faisais-tu ici? Non, ne t'en inquiète pas, nous y reviendrons plus tard. À présent, nous devons trouver un endroit où tu seras en sécurité jusqu'au matin. Ce qui sous-entend que tu y resteras, n'est-ce pas, jeune fille? Un endroit sans démons, d'accord? Enfin, je ne peux rien promettre dans ces lieux maudits. Je passerai en premier afin d'écarter tout visiteur important. Une fois que tu seras sorti, dirige-toi vers la chapelle de l'autre côté du pont. Je t'y retrouverai. Ah, j'oubliais. N'adresse pas la parole à quiconque te paraît étrange. Mais si tu venais à tomber sur quelque chose d'anormal, pense au fer. Utilise le fer pour repousser la menace. Je te retrouve là-haut. Tâche de rester calme. Et l'autre, il me laisse là-dedans. Dans cet enfer sans nom, quoi. C'est hallucinant. Mais que fais-tu ici, enfin, jeune fille? Bon, c'est pas grave, je te laisse ici, tu te démerdes. C'est un peu ça l'idée. Alors, je ne sais. Merde, c'était peut-être pas par là où je voulais aller, mais tant pis. Ah, bah, je me retrouve ici, très bien. Enfin, très bien. Je vais repasser devant notre ami Grimlins. Oui, je sais, il ne ressemble en rien à un Grimlins, mais bon, c'est comme ça. Allez, tiens! Bouffe le feu, salaud! Allez, on se casse d'ici. Je crois qu'il va plus vite que moi en marchant. Hop, mais c'est pas grave. Allez, on retourne là où il y avait les tombes. Hop! Nous sommes revenus là où on a commencé l'épisode. Ouais, donc le passage en haut, là, que j'ai dit j'irai plus tard, c'est pour revenir certainement au début quand on tombe. Tout simplement. Hop. Oui, c'est vrai que j'ai toujours pas d'armes. Allez, on va mettre le cœur dans son emplacement et on va quitter ce niveau. Ce niveau bizarre. Cœur. Allez, hop. L'autre, il va être content. Attention, on nous attaque! Vite, la porte s'est ouverte, on se tire d'ici.
Ah là là, quel grand sprint c'était! Voilà, ce sont des bébés démons, on va les appeler comme ça. Moi, je lui aurais balancé le truc en fer pour les repousser. Et les deux, ils s'amusent entre eux, du coup, voilà. On aura l'occasion d'en revoir d'autres. Hein, vous inquiétez pas là-dessus. Allez, on se casse d'ici. Ah, j'avais oublié que c'était pas la fin du niveau. Il nous reste encore un petit chemin à parcourir, je crois. C'est en face, tout simplement. Là, faut encore monter en face. Histoire de relier le level design, en fait, cette partie-là va servir à ça. Hop. Voilà, je me trouve au niveau du pont de bois. C'est là, sur les côtés, c'est là où on avait fait notre première grimpette, si vous vous souvenez bien, au début du niveau. Ces chauves-souris ne serviront à rien puisqu'on va arriver à la fin du niveau. Et je vais récupérer toute mon énergie, donc c'est pas grave. En plus, ça reste pas longtemps. Voilà. Allez, il nous a dit de nous protéger dans la chapelle. Et ben, c'est ce qu'on va faire. Voilà la chapelle. Bon, niveau suivant. Au deuxième sur trois. Qui est peut-être le plus difficile des trois d'ailleurs. Donc nous voici dans la chapelle. Je vais sauvegarder maintenant, ce sera fait. Donc un endroit sans démons, je ne suis pas sûr, hein, parce que c'est peut-être l'endroit le plus dangereux de l'île. On va devoir partir d'ici, tout simplement. C'est un peu un endroit malfaisant, je dirais. Ah oui, j'ai oublié ce petit passage. On va regarder derrière la cage. Oh mon Dieu! Bon, ce petit être va nous montrer le chemin. Donc, l'objet qu'il nous a montré a l'air d'être important. Et bien, on va devoir s'en emparer, mais il va falloir ouvrir cette cage avant. Cette cage, cette porte plutôt. Et pour ça, il va falloir traverser. Ouais, bon. Ça se tire pas. Non. Alors je fais rapide tour des lieux. Il y a des bandes partout. C'est pas un endroit très rassurant. Notre pauvre Lara Croft sera traumatisée toute sa vie. Ouais, bon, il y a des passages un peu partout. Ok, bon. On va s'intéresser aux boutons. Les trois boutons qu'on voit ici. Alors j'ai l'impression qu'il y en a un qui représente Anubis à gauche, dieu égyptien. Un cerveau et une tête de mort à droite. On va faire le code habituel, hein, centre gauche-droite. Je sais pas ce que vous en pensez. On verra bien. J'aime bien faire ce code-là. Bon, bah ça a l'air d'être bon.
Bon, la porte s'est ouverte, mais... Oh, regardez. Nous avons un petit esprit, le squelette. Les squelettes sont de retour, mais pas de la même façon que dans Tomb Raider 4. Ils sont sous forme d'esprit. Ils vont apparaître d'un coup, mais ils vont pas marcher. Non, ben maintenant j'ai ouvert la grille, on n'a plus qu'à retourner en arrière. Lui, je vais l'éviter, on va passer par là. Aïe. 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 Moi, j'ai bien fait de sauvegarder. Bon, on va éviter de sauter. Donc, le niveau s'appelle le labyrinthe. Donc, vous vous doutez bien que je vais me perdre dans tous les coins. Ça commence bien. Bon, j'ai bien fait de sauvegarder. Juste après que la grille se soit ouverte. Voilà, je me retrouve à côté de l'autre. Je vais essayer de passer. Voilà. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, il est ici. Il disparaît. Aïe. Hop. Bon, ça va. Alors, on va s'occuper de cette petite clochette. Vous inquiétez pas. Ici, je ne sais pas ce que c'est. Là, sur l'autre, là, je ne crois pas qu'il y a quelque chose. Non. Bon, on va s'intéresser à la petite clochette. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle avait l'air importante pour ce fantôme. Une petite boîte à musique, oh, mais c'est trop mignon. Bon, pour ouvrir cette porte, je crois qu'il y a un autre code à faire sur les boutons où j'étais. On va éviter. Hein. J'ai pas envie de me retaper les squelettes. Hein. Vous vous doutez bien. Qu'est-ce qu'on a récupéré là-dedans? Une poussière d'os. Loupé. Ah, merde. C'était pas prévu au programme, ça. Bon, je les ai évités, ça va. Est-ce que j'ai pas un truc que j'ai oublié? La poussière d'os. Ah, il faut peut-être la mettre. Faut peut-être que je repasse de l'autre côté, justement. Merde. Là où il y avait l'espèce de pot que je pensais qu'il fallait pousser ou tirer. Ah oui, je crois que c'est ça. Bon, je vais devoir repasser de l'autre côté. Ça, c'est pas cool du tout. Il est où? Je ne le vois pas. Ah, il est là. Loupé. Ah, toi, t'es pas au bon endroit. Ah, putain, il fait mal, ce con, là. 4, il est. Allez, on passe par là, et là, il n'y a plus qu'à sprinter ici. Voilà, allez, poussière d'os. Voilà. Allez, en enfer. Bon, on a la paix. Alors, ce phénomène, normalement, nous ouvre. Voilà, la porte qui est ici. Très bien. Avant ça, je vais juste vérifier si l'autre est ouverte ou pas. Je ne sais pas quel code il faut faire. Non, elle est toujours fermée. Allez, on se casse d'ici. Qu'est-ce qu'on va trouver? Allez, on descend. Aïe. Oh, super. Je suis pas tombé de très haut, hein, pourtant. Je voulais pas tomber, en fait. Je voulais vous montrer quelque chose, mais...
Malheureusement, ma grande maniabilité m'a trompé. Alors du coup, j'ai sauvegardé où moi? Il va falloir que je recommence tout. Après les boutons. Eh, c'est ça. Ah, oh, fais chier. Allez, on va se ramuser avec eux. Alors lui, je sais vraiment pas comment je l'éviter celui-là. Voilà. Allez, on récupère le sac d'os. Dans la boîte à mumu, la boîte à coucou. La boîte à musique. Hop. On a combien? On a 20 minutes. Ça va. J'aimerais aller le plus vite possible ici. C'est pas un monde qui m'enchante. Ouh là là, c'était pas loin. Loupé, mais bon, je suis pas dans le bon sens. Hop là! On va passer là. Voilà. Ah, pourquoi j'ai deux poussières d'os? Ils se sont plantés ou quoi? Oh, c'est bizarre ça. Je sais pas pourquoi j'en ai deux. On va regarder dans l'inventaire si j'en ai encore un, mais c'est très étrange. Ah ouais. Ça, c'est bizarre. Bon, bah, je ne sais pas. J'espère que ça va pas me porter préjudice. Allez, bah, on va sauvegarder ici. Hop! Comme ça, au moins, on sera tranquille. Première partie du niveau fait. Bon. Cette fois-ci, je ne vais pas tomber dans le trou comme ça. Alors, le but, ça devait être d'aller de l'autre côté. Ça fait bouffer, là. Une fois qu'on sera de l'autre côté, eh ben, on aura quasiment terminé le niveau, si je puis dire. Voilà, évidemment. Merde. Deux fois. Ces planches de bois vont nous emmerder. Ah bah du coup c'est la première fois que je passe par là. Et bah, allons voir. Donc bienvenue dans le labyrinthe. Vous voyez qu'il y a plusieurs chemins de partout. On va essayer, je dis bien essayer, de prendre le bon chemin. Alors ne me demandez pas lequel il faut prendre, je ne sais plus. Alors ici, c'est pas possible. Bon, je ne me soigne pas parce que ça m'emmerde d'avoir loupé ça là encore une énième fois. Normalement, j'aurais dû me laisser tomber en bouteille, hein, histoire de plonger dans l'eau au fond. Donc si je me loupe, c'est pas grave. Ok. Alors là, il y a l'air d'y avoir des choses à tourner. Eh bien, tournons ça! Ok. Et ça tourne de l'autre côté, enfin dans une autre des salles où j'étais tout à l'heure aussi. Alors il y a la salle à flamme, la salle à pique. Alors là, ça a tourné par ici. Eh bien, allons par ici. Si vous le voulez bien. Ok, donc là nous sommes dans une autre salle qui monte. Il y a d'autres étages, on va visiter les autres étages, enfin après. Il ne faut pas aller dans tous les sens. Donc là je peux y aller, on va voir ce que je peux faire. Je peux actionner un levier, mais je peux aussi aller par là.
Et qu'est-ce qui m'attend par là? Une autre salle circulaire. Ok, alors en bas, c'en a encore une autre, hein, parce que celle de départ, il devrait y avoir de l'eau auquel j'aurais dû descendre pour un joueur normalement constitué, donc pas comme moi. Ah, ça, ça tourne. Ok. Ben vous savez quoi, les amis? J'ai trouvé la sortie! Voilà, quand on trouve le livre, eh ben, c'est que ben, on a fait le bon choix. Ben, très bien, eh ben, je vais sauvegarder ici. Hein. Oh, le labyrinthe, quoi, je l'ai torché! C'est pas possible! Bon, ben, j'ai eu du cul, hein. Faut l'avouer que j'ai eu énormément de chance. Hein. Là. Allez, on va en face. Quand vous avez cette musique-là, c'est que vous en sortez bien. J'ai trouvé un livre, le bestiaire, qui me sera utile dans le niveau suivant. Ah, voilà, je savais bien que j'avais pas fini le niveau encore. Bon, alors attendez. Non, c'est pas ça ce que je voulais faire. Je voulais prendre une trousse parce que... Il va m'en falloir. Donc là, ça va vous rappeler des niveaux de Crash Bandicoot. Il va falloir suivre la lumière. J'ai l'impression que je ne les ai pas activées, ces lumières. Alors, attendez. Ah si, elles montent. Les saletés. Attendez-moi. Ben, comment je fais pour monter, alors? Oh, qu'elle plaît. Ah, je me souvenais plus de ça. Mais sinon, je monte en face, je crois que le... Ouais, je crois que la suite, c'est là-haut, hein, il me semble. Il y a un secret là-dedans, mais... Je ne sais plus, on va voir. Je ne sais plus. Ouais, j'avais complètement zappé ce passage-là. Bon, évidemment, si vous avancez sans les lumières, bah, vous l'avez dans le baba, puisque on n'a pas de torche. Ouais, j'avais oublié ce passage-là. Allez. Je vais où? Ah putain, il y a un monstre! Allez, je vais où? À droite. Là, je vais où? Bon, on l'a pas vu, le monstre, hein, du coup, hein, mais bon. Peu importe. Faut que je saute. Allez! Mais il ferait pas tourner en bourrique, ce truc-là, au moins. C'est par là? Ouais, ça a l'air d'être bon. Ok. Et ben voilà, je suis de l'autre côté du labyrinthe. Tout simplement. Bon, on n'a pas vu ce que c'était, et je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs. Donc si vous savez, faites-moi part de vos impressions dans les commentaires, hein, si vous savez ce que c'est que cette chose. Moi, je me casse, je trace. C'est moi. J'ai suffisamment à penser comme cela sans que tu me fasses en plus sursauter. Vos cheveux. Qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux? Ils sont tout blancs. Oui, ça m'en a tout l'air. J'ai dû être retenu par des individus très désagréables, venus des ténèbres, ce qui m'a donné une peur bleue. C'est pour cela que je ne t'ai pas rejoint à la chapelle. Mais je vois que tu ne t'es pas ennuyé. Partons d'ici maintenant et allons nous mettre en sécurité. Le type qui a pas du tout de remords de nous avoir laissé toute seule, hein. C'est vraiment le gars le plus irresponsable que je connaisse, surtout de la part d'un religieux. Bon. Très bien, jeune fille. Je vais aller jeter un coup d'œil alentour pour trouver un endroit.
bouge pas d'ici ou tu risques de tomber sur quelque chose qui fera blanchir tes cheveux à toi aussi. Et personne ne souhaite une chose pareille, n'est-ce pas? Mon père, j'ai trouvé un livre dans le labyrinthe. Alors tu as été faire un tour là-bas aussi. Dieu tout-puissant, ma petite, il va falloir que je t'enchaîne ma parole. Il contient des symboles de protection, vous pourriez les utiliser? Dieu te bénisse, mon enfant, mais la protection du ciel me suffit. De toute façon, pour que ce diagramme soit d'une quelconque utilité, il faudrait que nous le dessinions sur le sol et que nous nous mettions au centre. Malheureusement, j'ai oublié tous mes crayons de couleur à la maison. Tu me rendrais un grand service en restant où tu es avant de tomber sur quelque chose de bien plus grand que toi. Restez où je suis. D'accord. Mais évidemment, c'est pas ce que nous allons faire. Bon, le père Patrick nous aura dit quelque chose d'intéressant. Bon, là, c'est d'où je viens, on s'en fout. C'est de n'inscrire les éléments que l'on a dans le bestiaire. Mais pourquoi j'ai la craie? Ils m'ont foutu tous les objets ou quoi? J'ai pas fait de code, hein, pourtant. Je sais même pas s'il existe un code. C'est bizarre. Bon, bref. Normalement... Ah, attendez, parce que là, il y a un truc qui est très étrange. Je vais sauvegarder. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Donc, ouais, le père Patrick nous disait qu'il fallait dessiner un symbole par terre et se mettre au centre pour nous éloigner des bestioles qui pourraient nous attaquer. Regardez ce qui se passe quand on va tout droit. N'interrompons pas, donc à chaque fois que vous passerez par là, il y aura exactement la même cinématique, hein, donc allons plutôt par là, hein, parce que c'est le seul échappatoire. Et donc, normalement, nous devons trouver une craie pour mettre le fameux symbole que nous avons trouvé dans le livre, bien sûr. Alors à droite, ouais, c'est la sortie, on va donc aller à gauche. Ah, encore. C'est chiant, ça. Ok, il y a une flamme ici. Malheureusement, je n'ai pas de torche. Je comprends vraiment pas pourquoi on me file les objets clés dès le début. Hein. Ou alors j'ai fait un code sans le savoir. Mais alors, c'est vraiment étrange. Bon, je n'ai pas de torche, il va falloir que je trouve une torche. Alors, le retour de nos petits démons blancs. Ah, bah la torche est là, très bien. Alors oui, il nous balance des pierres. Alors, faut pas trop que je reste dans le coin, on va sauvegarder là. Hop, le vieux moulin, il s'appelle le niveau. Et le retour de notre corde. Voilà. Hop. Les fameuses cordes de Tomb Raider 4 sont de retour. Hop, je me mets bien en bas. Je vise les flammes. Je vise là où il y a la torche, pardon. Normalement, quand on se balance... Il n'arrive pas à bien nous viser. Hop. Voilà. Je prends ça. Et on se casse. Allez, on retourne là-dedans. On va chercher le feu.
Et on va rejoindre ces petits sacripants. Alors bizarrement, je crois qu'on a la possibilité d'avoir une flamme, une torche enflammée dans le premier niveau, la potence avec ces créatures-là. Sauf qu'elles ne les craignent pas, hein, il me semble pas. J'avais déjà fait l'expérience, il me semble. Et là, vous allez voir que c'est pas du tout la même. Hop! Voilà. Du coup, ils arrêtent de nous tirer dessus. Alors, je ne sais plus par contre comment on se casse d'ici. Ah, il y a un passage en dessous, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Ça a l'air d'être un secret. Ouais, c'est un secret. Bon, bah, c'est pas grave, j'aurais trouvé quelque chose. Allez, il va falloir retourner à la plateforme de départ. Si je peux, bien sûr. Ah, je peux pas retirer cette caméra infernale. Non, 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 non. J'ai fait un saut sur place, ça suffit pour que je me casse la gueule littéralement. Bon. Eh ben, c'est pas grave. On va recommencer. Par contre, il faut que je me retape la corde, je crois. On a 37 minutes, bon. Il va falloir que je me bouge un peu. Je reprends la corde, je pense. Ouais, c'est ça. Hop. Aïe. Aïe. Pas très gentil, ça. Je suis en train de me bousiller mes vies, là. Donc, quand vous êtes balancé comme ça, ils peuvent plus... Ah, si, bah si, ils peuvent vous toucher encore. Hop. Allez! Tendu là! Je vais devoir me soigner, j'ai pas le choix. Allez, on va chercher le feu. Voilà, et on va les balancer de nouveau sur ces petits trucs. Tant que vous la balancez pas, la torche sur eux, ils vous feront chier. Hop! Ah! Merde, j'ai sauté pour rien. Ah bah oui, mais il faut que j'aille rechercher ça. Donc on y est. Hein. Merde, trop loin. Allez! Voilà. Bon, nouvelle tentative d'évacuation. Pourquoi tu ne veux pas sortir? Voilà. Voilà, alors. Je vais sauter en face, tout simplement. Voilà, et on va remonter. Voilà. C'était pas plus bête, plus compliqué que ça. Alors. Je vais reprendre la corde. Hop. Je vais re-sauvegarder. On a combien? 39 minutes. Ah, je pourrais pas finir ce monde-là dans cette vidéo, malheureusement. J'en aurai encore un petit peu la prochaine fois. Bon, on va continuer encore un petit peu. Hein. On n'a pas fini pour autant, mais bon, je ne pourrai pas le terminer, c'est sûr. N'empêche, comment j'ai bien géré le labyrinthe, mais sérieusement, quoi. J'en reviens pas. Alors là, cap sur
de l'autre côté. Oh putain. Ah dommage. Alors là, si j'avais réussi à faire ça, mais alors là, ça aurait été la vidéo de la réussite. Bon, vous avez vu ce qui m'attend. Hein. Une ribambelle de saut. Bon, je reprends ma trousse d'un côté. J'aurais réussi du premier coup. Je m'en serais abstenu. Ah, c'est vraiment trop bête, ça. Alors, c'est le dernier saut le plus compliqué, de toute façon, hein. Non, pas de sens là. Ah, et puis là, ouais, je vais en perdre des vies. Bon, c'est certainement le passage le plus casse-gueule de tout l'île noire. Le plus casse-gueule, hein, j'ai pas dit le... Peut-être, ouais, le plus compliqué peut-être aussi, d'un côté. Mais non! Allez, on va se soigner. Il faut pas que je prenne la pente en super en arrière quoi. Alors là, je ne sais pas pourquoi elle s'est pas accrochée, mais bon, peu importe. Ah, c'est tellement dommage la première fois là, avec la corde. Oh. Alors ça, c'est similaire à un secret de Tomb Raider, premier du nom d'ailleurs, dans la Folie Saint-François, que je n'avais pas récupéré, je crois, dans mon let's play. On a une série de sauts comme ça aussi. Merde. Alors attendez, réfléchissons bien. Si je saute vraiment... Non, il faut pas que je saute au bout, parce que... Il faut que je saute d'assez loin pour aller le plus loin possible sur la deuxième. Ah oui, c'est pas mal ça. Alors, attention, c'est pas fini. Ah putain, j'avais réussi le plus dur. Alors ouais, par contre, mon erreur m'a fait voir que je pouvais y arriver d'une autre façon. Il faut que je... À la première plateforme sur laquelle je saute, il faut que j'y aille en saut périlleux arrière. Ce qui fait que ce sera beaucoup plus facile pour moi de sauter en avant sur la suivante. C'est pas mal. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer avec la corde d'aller sur celle du fond là-bas. Comme ça, je saute directement en saut périlleux arrière. Quitte à abandonner la grande trousse, hein, c'est pas grave. Je saute directement en saut périlleux arrière et je saute immédiatement sur la plateforme d'après. Non, c'est loupé. Bon, bah, tant que c'est loupé, on va aller chercher la grande trousse. Alors 44 minutes, on va pas vraiment pas tarder à s'arrêter là. J'aimerais bien au moins arriver jusqu'à la craie quoi. Alors là on a dit en saut périlleux arrière. Ah ouais, c'est beaucoup plus facile comme ça. On se met bien sur le côté. Comme ça j'ai beaucoup plus d'élan pour le dernier saut. Yes! Ben voilà! Quand on a la tactique, après c'est plus facile. Allez, on longe tout ça. Je vais y arriver jusqu'à cette craie. Et là, vous me dites à quoi ça sert. Eh bien, on longe. Non pas pour retomber là où on a nos chers petits gnomes, mais pour longer sur le passage du dessus. Enfin, pour longer et pour arriver à ce passage-là.
tout simplement. Et normalement, c'est là que nous allons trouver cette fameuse craie. Là, je crois que je peux tomber, oui. Voilà. Oui. Pourquoi tu veux pas prendre la craie? C'est parce que je l'ai déjà dans mon inventaire, peut-être, je ne sais pas. Alors ça, c'est très étonnant. Hein. J'ai un jeu buggé, hein, écoutez. Écoutez, je ne sais pas. Bon, j'ai la craie, de toute façon. Ouais. Normalement, c'est ici qu'on la trouve. Hein. Il y en a un morceau qui pendouille. Alors, je vais sauvegarder ici. Hop. Comme ça, on ne sait jamais. C'est vraiment très très bizarre, hein. Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est peut-être parce que j'ai pris le labyrinthe, pas dans le sens où il fallait. Je ne sais pas du tout, hein. Franchement, c'est la première fois que ça m'arrive, un truc pareil. Donc, admettons que j'ai pris la craie ici. Voilà. On va faire ça comme ça. Hein. Vous retournez là où il y avait l'espèce de chevalier. 46 minutes. J'espère que ça va pas me coincer le jeu. Un peu deg. Voilà, vous retournez à l'endroit d'où vous êtes arrivé. Hop. Allez. Voilà. Allez, on se casse. Par là où nous sommes arrivés. Nous allons sur la petite dalle. Et là, je sélectionne la craie. Bon, très bien. Bon, je suis pas sûr que le dessin m'ait protégé, heureusement qu'il y avait le père Patrick. En attendant, on est allé, il a capturé là où il nous a dit d'attendre. Hein. Bon, même si j'ai bougé, il ne le sait pas. Voilà. Bon, je suis content, ça n'a pas bloqué mon jeu. Est-ce que j'ai les... Non, je n'ai pas les autres, les autres objets de quête du jeu, enfin du niveau tout simplement. Donc bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, qu'importe. Bon, on va s'arrêter, on va arrêter l'épisode ici, on est déjà à 50 minutes, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter. La prochaine fois, on finira l'île noire, hein, ça je vous le garantis, il reste quand même pas grand-chose. Et nous poursuivrons avec le dernier monde de Tomb Raider 5, sur les traces de Lara Croft, le monde le plus, je pense, le plus intéressant avec, hein, en ce qui concerne le scénario, qui concordera un petit peu avec la révélation finale. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine les amis, et portez-vous bien. Salut tout le monde !